Du côté de Westerlo, deux changements puisqu'il n'y a pas de Chadli ni de Van de Caebus. Les deux sont blessés et remplacés par Vixel. Ça pourrait être une assez belle révolution d'avoir ça dans le futur. Discussion des arbitres. Attention ici, Vixel. Mathias Vixel, il peut frapper. C'est sur Lennart Moser. De cette partie. Hors jeu, il n'y avait pas. Ce n'est pas le cas. Donc du côté de Penn, on n'est pas forcément très content. Brandon Bay, récupéré. Jordanov. Jordanov le tir. Capté. Et comme bien souvent. Fixel qui remporte le duel. Manier, on se met en difficulté. Là, attention, Dorgelès Néné. Néné ! L'ouverture du score pour Westerlo. Dorgelès Néné, quelques secondes avant la pause, sur une erreur défensive de la part de la défense de Penn, oui, qui se paye cash là. C'est vraiment dommage au vu des 45 premières minutes. Revoyons ici Manier qui réalise la mauvaise passe là pour Pazos. Et ensuite Néné qui part à toute vitesse et qui va faire 0-1. Oui, un Manier qui pousse cette balle sans faire exprès dans la course du joueur campinois. Et ensuite, eh bien, il ne peut que constater les dégâts. Peters, Deom, Hendry pour l'égalisation. Hendry, voilà, qui ne parvient pas à capter mais qui repousse. Manier avec Peters pour Hendry qui s'écroule. Penalty. Penalty pour l'AS Open. Hendry dans ce duel avec Taguir. Avec Westy de Kremer à Tubiz qui est là pour aller éventuellement aider Monsieur Denis. Ici j'ai l'impression. Comme face à Genk. Égalisé sur penalty pour relancer Open dans la rencontre. C'est fait. Et il est magnifique ce penalty via la barre transversale. Il termine dans la lucarne de Sinan Bolat. C'est un but partout. Et c'est le capitaine Steph Peters qui vient remettre du suspense dans cette fin de rencontre. Revoyons le pied gauche puissant. Ah, ça, en tant que gardien, vous ne pouvez vraiment rien faire. Il est impeccable ce penalty. Néné demande le ballon. Jordanov. Attention, on s'en mêle les pinceaux. Peut-être de Kuiper. De Kuiper qui décale. Néné. Dorgelès Néné, c'est son Moser. Vaneno aussi, hein, s'est positionné derrière le ballon. Le capitaine. Ce sera pour Vaneno. C'est sur Moser. Vaneno à nouveau, le centre pour Reynolds, la tête, il faut dégager ça, Moser, ce ballon qui traîne. Et finalement, c'est Davo qui dégage. Alors que du côté de Westerlo, Genk, face à une équipe qui joue les playoffs, un bon point donc. Alors qu'on revoit ici ce cafouillage, Lennart Moser, Gary Manier, alors que Monsieur Denil regarde son chrono. C'est terminé ici au Kerouac. Un but partout, un deuxième point de prix.